Première boucle est pas facile. On a cherché un bon setup parce que le feeling est pas très bon. Et la deuxième boucle c'est plus mieux. Une mieux setup et une mieux feeling. Les temps sont très courts. Mais maintenant Chris il a perdu 3 minutes et c'est la fin de pas la fin de la course mais fin de la bagarre. Et c'est comme ça, oui. On a essayé pour rouler les trois dernières spéciales dans un bon rythme pour essayer de gagner. Dans l'objectif d'apprendre, on n'a jamais roulé ici, on n'a jamais roulé sur terre, donc on était venu pour découvrir un peu tout et donc faire une première boucle très tranquille et augmenter le rythme au fur et à mesure de la journée. C'est ce qu'on fait pour l'instant, donc bon rallye dans l'ensemble. La suite du programme pour toi ? Ça sera tout le reste du championnat de Belgique si tout se passe bien. Jusqu'il y a deux spéciales, ça passait bien. On était en bagarre avec Vincent pour la victoire. Là, on a pointé 3 minutes en avance, donc on a 3 minutes pleines dans la vue. Et voilà, là, la course est finie pour nous. Donc, on essaie maintenant de juste rallier l'arrivée et faire un peu de spectacle ici et là. Et voilà, sans plus. On a commencé dans la troisième boucle maintenant. Pour le moment, on est troisième général. C'est étonnant. Égalité avec le devant dans l'aune.
Mais Prinsen, qui a pris 3 minutes de pénalisation, il vient derrière nous, il est à 6-7 secondes. Logiquement, on va terminer 4e, 5e si tout va bien. Mais c'est un résultat formidable avec une deux roues motrices ici sur la terre. Ouais, je suis très content, on a pas eu de problème. Non, tout se passe bien. C'était sympa jusque-là, puisqu'on était deuxième après deux boucles, et puis un petit problème de direction assistée. On a eu le problème avant l'assistance, on a réparé, mais il y a une petite chose qu'on n'avait pas vue, une petite vis qui s'était un tout petit peu desserrée. Le godet dans lequel se trouve l'huile de direction assistée était mal mis, on a perdu l'huile pendant la spéciale. On a essayé de réparer sur la liaison et on a pu réparer, mais après 17 minutes, on est arrivé au pointage et on peut pointer 15 minutes en retard par boucle, donc c'était terminé pour nous. Le prochain rallye, certainement East Belgium, j'espère pouvoir ajouter l'Omloop. Ypres n'est pas au programme, mais qui sait, on va encore y travailler.